J'arrive. Alpine, gars. Ah, on est là, hein, tranquille. Ah ouais. Vas-y, j'enlève les choses. Non, t'inquiète, viens, viens, viens. Ah, oui, mon gars, t'inquiète. C'est toi. Bon, bye, ça va, tranquille. Bien, bon. Assieds-toi. Ouais, ça va, on est là. Hein. Ah. Le confinement, ça casse la tête. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ça dit quoi avec les boulots, tout? Frère, parle même pas de travail. Ça fait deux mois que je suis au travail, je trouve pas. J'ai postulé partout, j'ai postulé. Je fais que postuler, en fait, je trouve même pas. Et ça m'énerve. Ah, t'as raison. T'as raison. Mais si tu veux, moi j'ai une solution pour toi. Comment ça, une solution? Je connais un marabout. Si tu veux, je peux te le montrer. Frère, moi, des marabouts, je crois pas. Hein. C'est tous des mythos. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Mais il y a certains marabouts, ils sont pas pareils. Moi, les marabouts là, mon gars, fais-moi confiance. Mais tu le connais d'où, toi? Ouais, tu sais, moi j'étais dans les quartiers, tu vois. Et ça fait longtemps, je ne le vois pas. Du coup, moi, c'est quelqu'un qui m'a montré, mais vraiment, il m'a beaucoup aidé. J'ai postulé partout. Ah, si tu veux. En fait, c'est qui m'énerve, ils ne me répondent même pas. Il n'y a même pas de réponse. C'est qui m'énerve dans cette histoire, tu vois. Bah, si tu veux, moi, je peux t'indiquer l'endroit là où il est, les marabouts. Juste à côté là, il y a un forêt ici, là, c'est petit. Attends. Là où il y a les clairs et tout. Exactement, c'est là-bas. Ah, derrière. Ouais, c'est là-bas, les marabouts, ils sont là-bas. Oh, ça s'appelle Philippe, frère. Bah oui, c'était dit, les marabouts, il est trop fort. Tu vois, il peut pas être. C'est pas moi, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. C'est pas moi, mais en fait, j'ai aucune solution, tu vois. Je te conseille d'aller voir. Tu vas voir. Je vais aller comment, moi? Je vais pas te mentir. Bah, si je t'ai au côté, tu peux aller. Après, si tu veux, tu peux dire que ouais, c'est moi qui t'ai montré. Sinon, t'inquiète pas. Moi, maintenant, il me connaît parce que c'est lui qui gère tous mes problèmes. Ah ouais? Bah oui. Attends, toi, je crois que c'est pourquoi tu sors maintenant avec cette fille-là. Tu vois la blonde? Tu vois, voilà, exactement. Tu sais quoi? Je vais direct sur Marabout avec. Ok, bah, il n'y a pas de souci. Après, tu m'appelles, hein, si ça. Non, vas-y, je n'ai pas le temps, moi, j'y vais. Hein. Ah, franchement, ça fait plaisir, hein. Franchement. Mais, dis-toi, ça fait le temps, mais on ne sait pas. Après, moi, je t'appelle, hein. Vas-y, reste là. Vas-y. Samba qui sambako. Le plus fort parmi tous les dieux. Aujourd'hui je suis venu. J'ai bien dit, le plus puissant parmi les puissants. Ha, 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 ha. Qui est là? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oui, tu peux. Ha, 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 ha. T'as trouvé le bon chemin, mon fils. T'as trouvé le bon chemin, mon fils. J'ai dit bien, t'as trouvé le bon chemin. Tu fais t'asseoir. Oui. T'inquiète, on vient avec moi. Je suis le plus puissant. Alors, mon fils, qu'est-ce qui t'amène ici? Faut pas avoir peur. Tous les hommes qui m'ont vu, ils ont tremblé. Et là, je te demande. Allez, je t'écoute, mon fils, dis-moi. En fait, c'est un ami qui m'a parlé de vous. Mon ami, je suis venu. Je sais pas. Allez, mon fils, courage. T'as fait du long chemin jusqu'ici. Et sois précis, et j'exaucerai tous tes vœux.
j'ai le pouvoir de faire tout ce qui te désira. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux avoir un travail, mais j'arrive pas à faire. Travail. Besso kuna besa. Oni ni monik de. Zagur. Osuku na saka yake. Na limbi sukoto. Arima mama mama mama. Arima mama mama mama. J'ai des bonnes nouvelles pour toi, mon fils. Ah ouais? Tes vœux ont été acceptés par les dieux. Et quand je te parle des dieux, c'est pas n'importe quel dieu. C'est le pape Arel, mon fils. Tu dois 3 jours, mon fils. 3 jours. Tu vas trouver un boulot, mais vraiment un vrai boulot. Et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter pour l'argent. Non, avec pape Arel, ça ne marche pas comme ça. Mon fils, tu dois me donner 10 000 euros. 10 000 euros cash et t'en auras plus que ça, je te dis. Les paparelles ne mentent jamais. Les paparelles, c'est les dieux parmi les dieux. Mon fils, tu dois maintenant partir et regarde jamais derrière toi. Car les paparelles n'aiment pas les clients. Allez, mon fils, tu dois partir maintenant. Chez toi, mon fils. C'est toi. T'as osé défier le paparel. Qu'est-ce que je t'avais dit? En fait, ça fait 3 jours que je travaille à toi. Je ne veux rien savoir. Je t'avais dit de ne pas défier le paparel. Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire là? Si tu ne pars pas sur le champ, je vais te transformer en chien. Je te dis, je vais te transformer en chien. Yembassane. Si tu ne pars pas sur le champ, tu vas devenir un chien pour toute ta vie. J'arrive là. Je te dis de partir maintenant. C'est même pas qui t'a fait. En fait, j'ai un gros problème là. D'accord, ton problème. T'es du quartier là hein? Ouais, moi je suis né là, j'ai grandi ici. En fait, T'as quoi? Je me suis fait arnaquer par un marabout. Tu vois, il y a une forêt là derrière ce truc là. Il y a un marabout là-bas, tu vois. Ah, marabout qui crie là tout le temps. Oui, en fait, je suis allé là-bas, il m'a dit. C'est un ami qui m'a parlé de lui, tu vois. Donc, ouais. Je suis allé là-bas, je lui ai expliqué mon problème. Donc, il m'a dit qu'il pouvait m'aider à avoir un traf et tout. Donc, je lui ai donné 10 000 euros. 10 000 euros. Mais frère, t'es un ouf toi. Et après je vais lui voir et 10 000 euros à marabout. Oui, je suis allé le voir. Après il lui dit ouais, je peux pas maintenant. C'est pas moi. Perdu, tu cherches quoi? T'inquiète pas. C'est même pas. Et moi j'ai une solution pour toi vite fait. T'as une solution? Tu veux ton argent ou pas? Mais oui, je vais manger exactement, frère. On va s'arranger vite fait. Il fait tard. Moi je connais les gens qui habitent ici. C'est des gangsters. Ah ouais? Et ils marchent avec des flingues. Les marabouts, ils ont peur de flingues. Mais frère, on fait comment alors? Parce que moi, j'ai. Non, il fait tard. Aujourd'hui, tu peux pas. Bah, parce que si tu pars là-bas, tu risques de perdre ta tête. Alors, demain alors? Demain à 14h, tu fais ça. T'as vu ici là? Où ça ici? C'est là où il y a la voiture blanche là. Un, deux, troisième voiture. Ah d'accord. C'est là-bas. T'inquiète même pas si tu viens. Toque la porte, c'est la porte 317, je crois que c'est ça. Rentre là-bas, frère. Rien à foutre. Vas-y, t'es un bon là, frère. Franchement, t'inquiète pas. Merci, hein.
On est ensemble. Vas-y, pensionne-toi. C'est qui nous dérange comme ça? Tiens là, ouais. Va y regarder d'abord. C'est qui mon gars? Oh, on se calme. T'es venu chercher quoi ici? Je sais pas, je suis venu vous voir. Bah attends, attends là. Et on rentre pas ici comme ça, hein? Bah vas-y, rentre. Fais vite mon gars, fais vite. C'est bon. On rigole pas ici, hein. Putain. C'est qui lui? Non, calme chef, c'est un type, il a l'air bien quoi. Vas-y, installe-toi mon gars. Merci. Installe-toi. Alors tu veux chercher quoi ici? J'ai un gros problème les gars. C'est quoi ton problème? En gros, je me suis fait arnaquer par un marabout. Quoi? Oui, ce bâtard il m'a tué ou là. Il m'a pris 10 000 euros. 10 000 euros? Ouais. Demande-lui comment ça se fait, ouais. Je t'ai passé alors. En fait, je suis allé là-bas, je cherchais le travail et puis j'ai pas trouvé, je suis allé le voir et puis il m'a dit ouais, il pouvait m'aider et après, ben voilà, ça fait un truc, j'ai rien compris et ça fait un mois, j'ai pas eu. Tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas, moi je voulais qu'on aille le chercher vu qu'il m'a baisé en fait, c'est tout. Fouillez-le! Comment ça, fouillez-le? Oh les gars, non, calme-toi. J'ai pas compris ça de qui? Assis-toi. C'est un complice des flics. Comment c'est un complice des flics? Moi, c'est pas. Non, il peut pas oser nous faire ça. Oh, la foi des nefs, sont venus des ghettos comme ça, la foi des nefs. On va faire ça, hein, mon gars. Oh, c'est bon. Lève-toi. Rafile-le. Lève-toi. Oh les gars, moi, lève-toi, mon gars, lève-toi. Oh les gars, lève-toi. Donne ça. Putain, on va pouvoir crier là. Oh, j'ai rien fait, moi. Oh, ici, c'est pas. Truc là. Voilà, c'est pas la supermarché, hein. Je veux dire, si c'est un ghetto. Oh, tu seras mes couilles. Hey, t'as pas micro, t'as pas micro, tu te calmes mon gars. Voilà, assis-toi. Maintenant. Assis-toi. Mais non. Tiens ça. Voilà. C'est quoi le deal? Mon gars, si je veux qu'on travaille pour toi, faut payer 5 000. Comment ça, 5 000, c'est trop? Si t'es pas 5 000, tu te casses mon gars. Y'a pas de soucis. Et on y va ou on fait comment? Ouais. Ah ouais, nous on est prêts. Allez, on y va. On est prêts là. Allez mon gars. Allez. Ok les gars, en position. Okay. Moi je reste ici. Hein. Non, tu viens avec nous, tu viens avec nous. Qui est là? Vous osez me menacer? Je vais tous vous tuer! Je vais tous vous tuer!